Donc aujourd'hui, je vous propose une séance toute simple de respiration qui calme en fait le cycle respiratoire et le corps et l'esprit, puisque une voix belle, endurante et saine, c'est une voix qui se développe dans un corps qui est détendu, disponible et dont le cycle respiratoire est calme et tranquille. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit exercice, ça s'appelle l'exercice du 3 à 6. Donc on va inspirer sur 3 et expirer sur 6 secondes. Le but, c'est que l'inspire, elle se fasse avec une grande délicatesse. C'est-à-dire que vous allez imaginer qu'à l'inspire par le nez, vous allez respirer une odeur de fleurs, quelque chose, ou une odeur très délicate, très subtile qui vous plaît, qui vous inspire. Et ensuite, on va expirer sur 6 secondes par la bouche. Ok? Donc, je vous le montre une fois. C'est à la fin du 6, vous serez dans ce qu'on appelle une période d'apnée à vide. Avant de revenir vers l'inspire. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un cycle au moins sur 1 à 2 minutes. Le bénéfice de l'exercice, il sera encore meilleur pour calmer l'esprit et ouvrir l'appareil respiratoire. Si à la fin de l'expire des 6 secondes, vous laissez votre corps s'installer dans ce qu'on appelle la période d'apnée à vide, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Il y a peut-être encore un peu d'air qui sort, et il y a peut-être juste rien qui se passe. Et c'est seulement quand vous ressentez vraiment le besoin de l'inspire, sur 3 secondes, vous laissez revenir l'inspire comme un moment de grâce et d'inspiration, c'est ça, un vrai besoin physique. Et ensuite, de nouveau, l'expire sur 6 secondes. Et après, vous installez dans l'apnée à vide un moment. Voilà. Donc, je vous propose de faire cet exercice avec une grande qualité de conscience, en comptant dans votre esprit. Ça nécessite de vous mettre dans un endroit calme. Vous pouvez même le faire avec une autre personne. Vous pouvez le faire ensemble, pourquoi pas. Mais de prendre ce moment-là comme un moment de centrage complet sur votre instrument. Donc de conscientiser le fait que vous inspirez par vos narines de façon très subtile et très délicate. C'est pas comme ça, ni comme ça. On n'est pas dans une démarche de compétition ou de performance sportive, où on va mettre de la force. Tout est très délicat. On va toujours chercher à instaurer dans le corps et dans l'esprit quelque chose de très agréable et de très confortable pour qu'on puisse, la voix puisse s'installer dans ce moule confortable. À bientôt!